par les autorités administratives et sanitaires. Nous, la brigade régionale d'hygiène, accompagnée de la sous-brigade d'hygiène de Saint-Louis, donc nous sommes venus avec les kits d'hygiène de l'UNICEF, composés donc d'un lave-main avec bouilloire, d'une bassine, de deux morceaux de savon, deux bouteilles d'eau de Javel et de deux plaquettes d'aquatap. Donc c'est ça que nous avons emmené aujourd'hui pour appuyer les ménages sinistrés à lutter contre les maladies hydriques, c'est-à-dire les maladies diarrhéiques et aussi le périfécal. Donc nous les avons aussi également sensibilisés sur comment se protéger contre ces maladies-là. Parce qu'aujourd'hui, nous avons observé que les latrines qui ont été installées par les partenaires donc sont dans les eaux. Alors, les fosses septiques aussi, le contenu des fosses septiques aussi sont mélangés avec les flaques d'eau. C'est pourquoi nous sommes venus avec l'équipe, une forte équipe composée d'agents d'hygiène et des éléments aussi de la Croix-Rouge pour essayer de les soulager, pour désinfecter les maisons, les tentes et désinfecter aussi les flaques d'eau. Nous avons procédé aussi à la distribution de Grésil que le service national d'hygiène nous a donné. Donc, alors nous sommes là depuis ce matin.